Donc, je vais revenir sur quelques éléments qui ont déjà été mentionnés en cours de l'après-midi, mais je vais passer assez brièvement dessus, sur ce qu'on entend par le bien-être. Donc, une des définitions reconnue, c'est que c'est un état qui résulterait de la présence d'émotions positives répétées et de l'absence d'émotions négatives répétées. Si on regarde un petit peu en ce qui concerne les chevaux domestiques, on peut quand même penser que la plupart d'entre eux sont souvent soumis à des expériences négatives répétées de par les conditions de vie qu'on leur offre, qui sont souvent caractérisées par une restriction spatiale, sociale et alimentaire, et également de par les conditions de travail auxquelles on les soumet, qui sont souvent contraignantes. Cette accumulation d'émotions négatives par rapport à la définition que je viens de vous donner, bien évidemment, peut entraîner une altération de leur état de bien-être, et ce qui va se traduire notamment par exemple, l'apparition de pathologies sur le plan sanitaire, mais également de pathologies sur le plan comportemental, avec notamment l'émergence de stéréotypies et d'une agressivité envers l'homme. Maintenant, ce qui reste à approfondir, ce qui est un peu moins connu, c'est dans quel état ces animaux qui sont soumis à des émotions négatives répétées, dans quel état émotionnel chronique ils se trouvent, pour reprendre le terme que Martine a pris tout à l'heure, ce qu'on appelle aussi, de manière un peu plus courte, et donc c'est le terme que j'utiliserai jusqu'à partir de maintenant, le terme d'humeur. Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut accéder à cette information, dans quelle humeur se trouvent les animaux ? Si on regarde un petit peu ce qui a été réalisé au niveau des travaux en psychologie humaine, pour reprendre ce qu'a dit Alain tout à l'heure, ce que l'on sait, ce qui a été démontré, c'est qu'une humeur négative ou une humeur positive va biaiser la façon dont les individus vont percevoir leur environnement. On parle de biais cognitif de jugement. Et pour vous donner un exemple qui est sans doute un peu plus parlant pour vous, si on prend des personnes qui sont anxieuses ou qui sont dépressives, qui sont donc dans une humeur globalement négative, on constate qu'elles vont avoir tendance à interpréter de manière plus négative les informations ambiguës par rapport à des personnes qui sont dans une humeur globalement plus positive. Donc c'est ce qu'on appelle un biais de jugement pessimiste. C'est l'histoire, comme disait Martine, du verre à moitié plein, à moitié vide. Maintenant, est-ce que l'on peut accéder à ceci chez l'animal ? Et en fait, vous avez de nouvelles méthodologies qui ont été mises en place assez récemment chez l'animal. On appelle ça des tests de biais cognitifs et qui permettent justement de mesurer de tels biais de jugement chez l'animal. Donc le procédé, il est relativement simple. Je vais vous présenter l'étude initiale. On va apprendre à un rat à appuyer ou non sur un levier en fonction de la fréquence d'un son qu'on diffuse et de la conséquence qui est associée. Donc si le son est de 2000 Hz, le rat va appuyer sur le levier de manière à accéder à une récompense alimentaire, le son étant associé à cette récompense. Et si le son est de 2000 Hz, le rat ne va pas appuyer sur le levier, dans ce cas-là, le son étant associé à un événement aversif. Lorsque cette association va être acquise chez l'individu, on va ensuite procéder au test de biais cognitif, où cette fois, on va le soumettre à un son d'une fréquence intermédiaire entre les deux sons initialement appris. Donc, par exemple, un son de 5000 Hz. Et on va pouvoir savoir, de par sa réponse, s'il est plutôt pessimiste ou optimiste. L'hypothèse de départ, c'est qu'un animal qui va être dans un état affectif négatif aura tendance à juger cet événement ambigu comme négatif, et donc on le jugera pessimiste. Donc on a voulu utiliser cette méthodologie innovante chez le cheval et donc l'adapter de manière à pouvoir accéder à ces biais de jugement chez les individus. Donc cette étude a été réalisée sur 34 chevaux issus de 4 sites différents qui différaient en termes de gestion. D'un côté, des chevaux issus de 2 centres équestres qui étaient donc maintenus en box isolée avec un accès au fourrage limité et qui étaient également... qui est également soumis à des conditions de travail contraignantes. Et de l'autre côté, on avait 2 groupes de chevaux, 2 loisirs, issus de 2 sites, qui cette fois étaient maintenus en groupe social stable à l'année, avec un accès au fourrage ad libitum, et utilisés donc dans une équitation un peu plus légère. Ce que nous avons fait sur ce site-là, sur ces 4 sites, c'est que dans un premier temps, nous avons voulu mesurer différents indicateurs sanitaires, comportementaux et posturaux, de manière à évaluer leur état de bien-être. Donc Martine a un petit peu parlé de ces différents indicateurs. On a notamment mesuré la proportion de sites vertébraux atteints, la fréquence des stéréotypies, le nombre de réactions agressives envers l'homme et le temps passé avec les oreilles en arrière, qui sont donc des indicateurs qui ont été reconnus comme indiquant un mal-être chez le cheval. Si on regarde les résultats au sein de nos 4 sites, ce que l'on peut voir, c'est que les chevaux issus des 2 centres équestres présentent énormément de pathologies.
Ils vont avoir une proportion de vertèbres atteintes très importante. Ils vont être également plus nombreux à présenter des stéréotypies. Ils vont être plus nombreux à être agressifs vis-à-vis de l'homme. Et ils vont être également plus nombreux à passer plus de 50% du temps avec les oreilles en arrière. Alors que les chevaux ici des deux sites de loisirs sont exempts de tout problème. Donc ils vont globalement beaucoup mieux. Pour accéder au biais de jugement, nous avons utilisé une tâche de discrimination spatiale qui avait été initialement développée chez les rats et donc nous l'avons adaptée au cheval. Dans la phase d'entraînement, nous avons en fait entraîné le cheval à s'attendre à recevoir un aliment appétant lorsque un seau était positionné dans une position positive d'un côté du manège et à avoir un aliment répulsif lorsque ce seau était dans une position dite négative de l'autre côté du manège. Chaque cheval a été entraîné une fois par jour, à raison de 5 essais par session. Et donc ces sessions ont été poursuivies jusqu'à ce qu'on obtienne les critères d'apprentissage suivants, à savoir le cheval devait, au cours d'une session, approcher les 3 sauts en position positive en moins de 20 secondes et ne pas approcher les sauts en position négative en moins de 30 secondes. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne une fois que l'apprentissage est acquis. Donc vous voyez ici un essai avec la position dite positive. Donc vous voyez que la réponse du cheval est de s'approcher très rapidement de ce saut. Et ici, ce qui se passe lorsque le saut est en position négative. Donc vous avez deux stratégies, le cheval qui ne va pas s'approcher du saut et le cheval, dans l'exemple à droite, qui va s'approcher de la position dite positive, même si le saut n'est pas présent. Donc, si on regarde un petit peu les résultats de cette phase d'entraînement, ce que l'on constate, c'est qu'il n'y a pas de différence dans le nombre de sessions pour apprendre cette tâche de discrimination entre les chevaux des 4 sites. Ce que l'on a pu constater également, c'est que le temps mis par le cheval pour aller au saut en position positive et pour aller au saut négatif ne différait pas entre les sites. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant à noter. Ça veut dire que les chevaux de l'ensemble des sites ont bien compris la tâche à réaliser. Et à partir de là, on peut procéder au test de biais de jugement. Donc pour le test de biais de jugement en tant que tel, une fois que cette tâche discriminative a été apprise, ce que l'on va faire, c'est qu'en plus des deux positions apprises, on va présenter le saut en 3 positions ambiguës qui sont intermédiaires entre la position positive et la position négative. Donc ces 3 positions ambiguës sont les suivantes. Vous en avez une qui va être proche de la position positive, une qui est en position intermédiaire et une qui va être proche de la position négative, qu'on appelle proche négative. Donc ce test a été réalisé au cours de 2 jours consécutifs. Et ce que nous avons noté comme mesure, c'est la réponse du cheval, à savoir est-ce qu'il s'approche ou non du saut en fonction de sa localisation. Et quel temps va-t-il mettre pour s'approcher du saut? Donc là, bien évidemment, le postulat est le même que pour les rats dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si le cheval approche un saut en position ambiguë, ça veut dire qu'il s'attend à la survenue d'un événement positif et donc on pourra le juger comme optimiste. Au niveau de la latence, nous avons fait une petite correction. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce sera précisé dans le texte associé. On a calculé une latence corrigée. Ce qui permet en fait d'éviter le biais éventuel lié à la vitesse de déplacement des différents chevaux. Donc, ce que je vous demande juste de retenir pour la suite, c'est que lorsque la latence corrigée est de 0, ça correspond à la latence pour aller au saut positif, et lorsque la latence corrigée est de 1, ça correspond à la latence pour aller au saut négatif. Donc si on regarde les résultats de ce test de biais de jugement, premier constat que l'on peut voir, donc ici vous avez les différentes positions du saut. Ce que l'on peut voir, c'est que les animaux vont mettre de plus en plus de temps à approcher le saut, plus la position avoisine la position négative. Donc ils approchent très rapidement du saut positif, du saut proche du positif, et plus on s'approche du saut négatif, plus les chevaux vont mettre du temps. Donc ça, c'est un constat que l'on peut voir sur l'ensemble des sites. Maintenant, si on s'intéresse aux différences entre sites, on a un effet site majeur qui va apparaître pour la position ambiguë la plus proche de la position négative, ici, avec les chevaux de centre équestre qui vont mettre beaucoup plus de temps pour approcher le saut dans cette position par rapport aux chevaux des deux sites de loisirs. Si on rentre un peu plus loin dans le détail, ce que l'on constate, c'est qu'au niveau des chevaux de centre équestre, en fonction des deux sites, on va avoir de 45 à 64% des chevaux qui ne vont jamais aller au saut dans cette position ambiguë,
alors que 100% des chevaux issus des deux sites de loisirs ils vont y aller au moins une fois. Donc ce qu'on peut en déduire, de manière assez schématique, c'est que les chevaux issus des deux centres équestres vont être globalement pessimistes, puisqu'ils vont évaluer de manière négative cette information ambiguë, alors que les chevaux des deux sites de loisirs sont plutôt optimistes, puisqu'ils vont évaluer de manière positive cette position ambiguë. Nous avons également voulu voir s'il y avait des liens entre ce biais de jugement pessimiste-optimiste et d'autres indicateurs plus classiquement utilisés pour évaluer le niveau de bien-être des chevaux que j'ai mentionné précédemment. Donc si on regarde l'ensemble des quatre sites, ce que l'on peut voir, c'est que plus les chevaux sont agressifs vis-à-vis de l'homme, plus ils vont être pessimistes, et plus les chevaux passent un pourcentage de temps important les oreilles en arrière, plus ils vont être jugés également pessimistes. Maintenant, si on s'intéresse aux corrélations éventuelles entre biais de jugement et les autres indicateurs de bien-être mal-être, cette fois au sein de chaque site, on va tomber sur des corrélations qui vont varier selon le site. Donc pour les chevaux de loisirs, le biais de jugement va être corrélé avec le temps passé les oreilles en arrière. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'au niveau des chevaux des centres équestres, le biais de jugement pessimiste va être corrélé soit avec l'agressivité vis-à-vis de l'homme, soit avec la fréquence des problèmes vertébraux, ce qui peut suggérer peut-être un impact plus prégnant du travail pour ces deux populations. Donc ce que l'on peut retenir ici, c'est que le test de biais de jugement qui n'était pas utilisé chez le cheval auparavant est un outil intéressant pour questionner le cheval sur sa propre perception positive ou négative de ses conditions de vie et de travail. Ce que l'on a pu voir également avec les chevaux de centre équestre, c'est que des conditions de vie, de travail défavorables vont plutôt conduire le cheval à appréhender, à développer une perception pessimiste de son environnement, ce qui peut également aggraver son état de bien-être à la longue. Et dernier point, la méthodologie qu'on a mise en place est quelque chose qui est quand même assez chronophage, c'est pas accessible à tous, et c'est là où les corrélations qu'on a pu mettre en évidence sont intéressantes, même si ça demande un peu plus de recherche sur le sujet. Mais on pourrait penser que la position des oreilles et l'agressivité envers l'homme pourraient être des indicateurs plus accessibles et plus facilement observables par les professionnels de l'humeur du cheval. Je vous remercie de votre attention.